là-bas, on atterrit au sens propre du terme, parce qu'on vient d'arriver, et au sens figuré du terme aussi, et il se passe plein de choses dans la tête. Il y a énormément de monde apparemment, et ça fait du bien d'être là, franchement. Ça fait du bien. Vous touchez le sol, le tarmac, ouais, là, ouais, ça y est, ouais, vous êtes ouais, tellement ouais, heureux. Et je vois qu'il n'y a pas que des journalistes, je vois mes amis aussi. Mais bien sûr, il y a tout le comité de soutien qui est là pour vous accueillir. Stéphane, est-ce que vous êtes, je vous coupe quasiment en pleine ambassade, est-ce que vous vous sentez en forme, j'allais dire, en marge de cette arrivée qui est un moment de folie, est-ce que vous avez bien résisté à cette vie? Oui, ça a été long, des longs tunnels noirs, en particulier le dernier qui a quand même duré février, mars, avril, mai, là, ces derniers mois, et on voyait pas. Ça faisait six mois que on n'avait pas fait une vidéo de preuve de vie, etc. Et franchement, là, les 15 derniers jours, on sentait que ça bougeait. On sentait que ça bougeait, qu'il allait se passer quelque chose. Mais comme il y avait déjà eu des échecs, 3-4 échecs à peu près, on était vraiment super prudent. Et jusqu'au dernier moment, à un quart d'heure, je me souviens, parce qu'on a pris une douche, on s'est dit si on prend une douche, c'est qu'on va partir. Jusqu'au dernier moment, on s'est dit c'est bon. Donc il y a eu un petit moment de flottement, on s'est dit qu'est-ce qui se passe encore. Là, il y a des gens qui sont sortis, qui nous ont mis dans un 4x4 blindé. Et là, on est enfin rentré dans la base. Il se passe énormément de choses et il se passe pas grand chose. C'est ça qui est fou, c'est complètement paradoxal. Dans la tête, on y est, ça y est, on touche vraiment au but. Et puis, bon, bah voilà, on rentre, on est reçu par des militaires, super sympa. C'est fini, mais là, on n'a même pas atterri. Encore en plein vol, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Ambassade de France ensuite. Là, vous avez, j'imagine, le moment dont on a parlé, rêvé, sublimé, déliré sur l'ambassade de France. Moi, les ambassades de France, franchement, d'habitude, c'est pas mon truc. Mais alors là, l'ambassade de France de Kaboul, c'est certainement l'ambassade dont j'ai le plus rêvé de ma vie. Et ça, c'est super bien passé. Et là, on a vraiment, on s'est posé, on a longuement discuté avec l'ambassadeur Bernard Bajoli qui était en poste avant en Irak. Devant les journalistes, s'il vous plaît. Laisse-le une seconde pour lui faire. Voilà. Stéphane. Alors, attendez, je vais essayer d'attraper Stéphane. Bon. Stéphane, oui, Stéphane, oui. On est en direct sur France 3 pour une édition spéciale, bien sûr. On a entendu maintenant Hervé parler de ce moment de la libération. Comment vous l'avez vécu? Première question aussi, d'abord, est-ce que vous vous sentez en forme, moralement, physiquement? Moi, je vous ai mis au téléphone, on va très bien mentalement, je sais toute la vie, je suis vraiment hervé. Steph, Léo. Avec nous, on va rejoindre tous les journalistes. Il y a plus de 300 journalistes qui attendent Hervé et Stéphane. On va s'installer. Donc, vous voyez qu'ils ont l'air très en forme. On t'attend là-bas. Ça va. On t'attend là-bas, Stéphane. Bonjour. Merci beaucoup. Voilà, on n'a pas l'habitude de ça, donc on est un peu intimidé. Alors, je vais peut-être vous aider, Hervé et Stéphane. Première question, vous la posez tout à l'heure, mais je la pose pour tout le monde. Je sais pas, les miracles d'une bactérie qui part, qui revient. Mais bon, voilà, non, mais ça va. On avait un moral d'acier. Stéphane, c'est vraiment un mec très costaud. Bon, moi ça va aussi. Je crois que je suis pas trop. J'ai eu un tour de dans la tête. Donc.
donc voilà, il fallait, de toute façon, il fallait être super solide, super costaud, il fallait bien structurer son temps, pas partir dans l'ennui, dans le désespoir, on partira jamais, pour ça, on s'est bien accroché, et aussi bien aidé par notre traducteur Reza, qui est lui à Kaboul avec sa famille. On va parler de toute votre détention, les 18 mois, simplement dites-nous. Moi, je vais bien aussi. Ah, allez-y, Stéphane. Je vais très bien, bon moral, on a bien tenu le coup, on savait que ça allait l'issue allait être favorable, on savait pas combien de temps ça allait durer, mais on pouvait tenir encore. Donc on va très 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 bien. Non mais j'ai l'impression qu'il voulait pas revenir. La cuisine était trop bonne. Est-ce que vous pouvez... Jamais on présentait quelque chose d'important pour eux et jamais on a été menacé, pas maltraité, c'est surtout les conditions de vie qui ont été très très difficiles. Ce qu'on peut dire de la détention, c'est qu'on n'a pas été menacé, mais on casse pas la tirelire non plus. Hein, donc on représente quelque chose, donc au moins ils nous prennent pas en otage. On n'a pas été maltraité, on n'a pas été frappé, on n'a pas été attaché, ça a pu arriver à des otages. En même temps, les conditions de vie, c'est enfermé. 23h45 sur 24, hein, deux sorties pour aller aux toilettes à l'aube et le soir. Nourriture pas spéciale otage, mais une nourriture spéciale montagne afghane, c'est-à-dire très peu à manger, toujours la même chose. Mine de rien, quand on n'a rien à faire, parfois on se raccroche un peu à la nourriture. Là, c'était pas du tout le cas, c'était même extrêmement pénible. Ça paraît bête, hein, la nourriture, mais c'est vital. Donc il y a ça. Et puis surtout, non, le décompte et le compte, c'est toi, hein, c'est ta phrase. C'est ma phrase, tu peux la dire. Vas-y, c'est les bonnes. Non, vas-y. Non, mais Stéphane a un jour dit, la grande différence entre nous et des prisonniers classiques, c'est qu'un prisonnier décompte les jours jusqu'à la fin de la peine, et nous, on les compte, mais on ne sait pas quand ça se termine. Quoi. Donc c'est ça. Et il y a eu plusieurs fois où on s'est vraiment dit, c'est bon, je crois que... On va bientôt sortir et apparemment ça a échoué. Et ça a échoué plusieurs fois, trois ou quatre fois. Comment s'est passée votre libération? Quand est-ce que vous avez compris que vous alliez être libéré? Et est-ce que vous y avez cru dès ce moment-là? On était dans une maison, on a commencé à bouger d'une maison qu'on était précédemment. Et là, on nous a dit que les négociations étaient finies. Et on a fait une grande marche il y a deux jours pour rejoindre la vallée principale. Et là, on s'est dit qu'on tenait le bon bout. Et là, on a su vraiment qu'on était libérés. C'est quand ils nous ont donné notre habit immaculé blanc et qu'ils nous ont mis dans la voiture et qu'on est parti rejoindre la base de Taghar. Et psychologiquement, le moment de soulagement pour vous, ça a été quand? À quel moment exactement? Quand on est arrivé dans la base de Taghar. Tant qu'on n'est pas dans la base française, tant qu'on est encore à l'extérieur, tant qu'il y a un danger. D'ailleurs, il y a un des accompagnateurs afghans qui était assez stressé parce que tout est instable dans la région. Tant qu'on n'a pas les deux pieds dans la base, tout peut encore se passer. Quoi. Et c'est vrai que ça nous a été confirmé. Et donc, c'était hier, 17h heure locale, ça fait à peu près 14h30 ici. Quoi. Racontez-nous les dernières heures, l'ambassade de France et puis les retrouvailles ici, même si évidemment on respecte tout à fait la discrétion que vous avez souhaitée par rapport aux retrouvailles avec la famille. Ben, les dernières heures, on s'est dit est-ce que c'est encore une fois un espoir qui va être déçu dans quelques temps ou pas. Et puis on est arrivé dans une belle maison, c'était vraiment la première fois, on s'est dit tiens il y a quelque chose qui bouge. Et ça faisait quand même 15 mois qu'ils nous parlaient, le jour de la libération on va vous offrir donc l'habit traditionnel blanc. Le blanc c'est la couleur des talibans, excusez-moi Elise. Et donc on s'est dit, ils y tenaient parce que bon, il y a tout un code, il y a tout un rituel qui leur appartient. Et on s'est dit là normalement ça devrait passer. Mais encore une fois, tant qu'on n'est pas dans la base, et en l'occurrence ça c'était la base de Taghar, on n'est pas sûr à 100%. Quoi. Est-ce que vous avez été reclus complètement ou est-ce que vous avez entendu des bruits de ce qui se passait, de vos copains qui se sont mobilisés comme des... Oui, parce que on avait une radio. Quand on a été séparés au bout de 3 mois, ils nous ont donné une radio chacun. Et Hervé recevait la BBC, moi je recevais RFI de temps en temps. Donc on était bon, normalement au courant de ce qui se passait, de la mobilisation, des messages d'RFI le jeudi qu'on recevait.
Donc pour nous c'était assez important, voire même très important, ces petits liens qui nous reliaient à quelque chose, parce qu'on vit quand même une bulle de non-vie. Et cette radio, ces nouvelles, ben, ça nous faisait chaud au cœur, oui. Moi j'étais 8 mois seul, du 13 avril au 13 décembre 2010. Je ne recevais pas RFI, parce que j'étais dans un endroit où on ne recevait pas RFI, RFI qui n'émettait qu'en FM dans le coin, mais je recevais la BBC. En revanche, la BBC a une politique, pas un mot sur les otages, apparemment, tant qu'ils ne sont pas libérés. Même les otages britanniques, d'ailleurs. Donc moi, j'avais aucune nouvelle, donc je ne savais vraiment pas ce qui se passait jusqu'au 13 décembre, sauf que Stéphane a pu me faire parvenir un petit mot de quelques lignes, comme quoi il y avait une grande soirée de mobilisation le 25 octobre dernier au Zénith, et là, je me suis dit, bon, ben, il y a vraiment du monde derrière nous. Je me suis même dit, c'est complètement dingue, quoi. Au Zénith, et si on reste encore 6 mois de plus, ça va être le Stade de France ou... Non, mais franchement, quoi. Et ça me semblait presque disproportionné, parce que, bon, ok, d'accord, on a été pris en otage. Il y a d'autres otages dans le monde encore aujourd'hui, des Français, des autres. Je voudrais juste dire un truc, parce que ça fait vraiment des semaines que j'y pense. Des otages, il y en a beaucoup dans le monde. Et j'ai vraiment une pensée très émue pour ceux qui sont otages et pour ceux qui ont été abattus aussi. Dans des opérations qui n'ont pas fonctionné, mais ces opérations devaient être faites. Il y a eu des Français, il y a eu une Britannique en Afghanistan. Et franchement, tant qu'on n'a pas été otage, oui, otage, c'est ok, d'accord, c'est compliqué, c'est difficile à vivre. Mais là, j'ai vraiment une pensée pour eux, pour leur famille, parce que nous, c'est fini. C'est bon, on est libérés. Eux, ça continue. Et là, c'est complètement fini. Mais j'ai vraiment une pensée très émue pour eux. Quel a été votre... Quels ont été vos rapports avec les preneurs d'otages? Quels étaient vos rapports au quotidien? On a eu des rapports qui étaient des rapports, j'irais, souvent intéressants. C'est-à-dire, c'est pas... Bon, moi, quand j'étais 8 mois seul, c'était très limité, parce que j'avais ma liste de 50 mots d'Ari, donc la langue locale, quelques mots de Pachtou, parce qu'on parle les deux langues. Je suis pas très bon en Dari, je suis pas très bon en Pachtou. Mais quand on a été avec notre traducteur, c'est-à-dire pour moi une dizaine de mois et pour Stéphane plus longtemps, c'est vrai que par notre traducteur, on a eu des discussions parfois intéressantes avec nos preneurs d'otages, pour qu'est-ce qui vous motive, pourquoi vous faites ça, mais aussi d'autres choses. De la vie quotidienne, des rapports hommes-femmes, des choses, mais j'imaginais même pas poser ça à un taliban, quoi, à un taleb. Mais oui, mais en même temps, chez nos preneurs d'otages, et chez les talibans en particulier, comment dire, il y a une vraie culture du mensonge. C'est-à-dire qu'on nous dit des choses, mais on sait qu'on est otage. Ils savent qu'on est otage. Donc parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Faire la part des choses du vrai et du faux, je parle pas de la vie quotidienne, etc. Quoique, ça rentre en ligne, mieux compte. Mais évidemment, sur les négociations, dès qu'on pouvait, on en reparlait, pas tous les jours. Parce que, est-ce qu'ils savaient des choses? Est-ce qu'ils savaient pas des choses? En fait, ils savaient pas grand-chose, mais nous, on s'est raccrochés à tout ce qu'on pouvait. Aussi, les opérations dans le coin, parce que de temps en temps, on entendait des bruits d'obus de mortier, des bruits de mitrailleuses, etc. On se dit, qu'est-ce qui se passe? On nous racontait des trucs parfois vrais, parfois hallucinants. Un hélicoptère abattu qui n'a pas du tout été abattu, américain. 80 morts dans l'hélicoptère, quand même le plus gros hélicoptère jamais vu au monde. Bon, ça va, ça, c'est des choses, on arrive à discerner, mais parfois c'est beaucoup plus subtil. J'avais beaucoup entendu parler dans les années 70-80, comment dire, la difficulté entre la culture occidentale et la culture orientale, de compréhension. Là, on l'a vécu au sens plein du terme, c'est pas évident de comprendre, de se comprendre et de voir les choses de la même manière. La présence française, leur revendication première, le départ de tous les étrangers d'Afghanistan. Et en quelques mots, vos journées ressemblaient à quoi? À rien. C'est-à-dire? Non, le principe, c'est d'essayer de rythmer les journées, bien sûr, de s'occuper. Donc, il y avait les programmes de la radio, on essayait de s'entretenir physiquement et de discuter, de tenir le coup comme ça. Mais c'est des journées parfois très longues. Parfois
très courte, mais c'est assez terrible. Il dit rien, il faisait quand même, dans les bons jours, 3 heures de culture physique par jour. Je dis, mais arrête, les Jeux Olympiques, c'est dans un an, tu vas être, c'est bon, tu vas être prêt, quoi. Tu vas être très bien pour la sortie. Moi, j'en faisais 45 minutes par jour. C'est, franchement, ça paraît tout bête. On a commencé dès le deuxième jour. Faire de l'exercice, même dans une pièce qui fait 10 mètres carrés, c'est évacuer du stress. Quoi. Parce que quand toute la journée on est enfermé, qu'on ne voit même pas à travers la fenêtre, parce que la fenêtre est barrée soit par un rideau opaque, soit par une feuille de plastique complètement translucide, mais on voit rien à travers. Parce qu'il y avait grosse parano des talibans, qu'ils soient repérés par les gens du village, qui ne sont pas tous talibans, loin s'en faut, et qu'après ça parle très vite dans le village, et ils avaient peur qu'évidemment on soit repéré, et par des espions, parce que ça existe, et par la police locale, même si elle n'est pas là, mais ça se fait très vite. Donc on nous mettait dans une espèce de cocon absolument opaque, et donc voilà. Mais cela dit, dit rien, moi je trouve qu'on essayait quand même de s'organiser, quoi, de rythmer notre temps. Moi j'ai beaucoup écrit, ils m'ont tout piqué, 500 feuillets. Donc je faisais mon journal de bord, mais bon, en même temps ça... D'abord, j'y mettais mes émotions, ce que je faisais, etc. De temps en temps, je lui disais. Mais bon, je savais qu'à terme, de toute façon, ça passerait pas la fouille, un tas de feuilles comme ça. Et ça, ils voulaient pas que ça sorte. Bon, ils comprenaient rien, c'était en français, mais peu importe. Ouais, c'était quand même très, 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 très soucieux de que rien ne sorte de documents écrits ou quoi que ce soit. Même si c'était la vie courante banale d'un otage, si on peut dire. Voilà. En tout cas, on ne se réjouissait pas pendant les repas, ça peut vous le dire. Une dernière question, une dernière question s'il vous plaît. Ensuite, il faudra qu'Hervé et Stéphane soient transférés dans un hôpital pour un check-up de santé. Transférant, on ne va pas nous torturer, j'espère. Non. Les espoirs déçus, on était séparés à cette époque. J'ai eu un espoir en septembre dernier parce qu'on m'a déplacé d'une maison, on m'a rapproché de la palais principale et on m'a dit que les négociations allaient très bien, que c'était proche de la fin et rien ne s'est passé. Donc après, on s'habitue parce que sur chaque maison, ils nous disaient qu'on allait être libérés très tôt et à la fin, on n'y croit plus. Donc les espoirs déçus, on connaît et on s'y habitue. Moi, mon espoir déçu, le principal, ça a été le 11 décembre dernier quand mon geôlier, qui m'avait donc gardé pendant 5 mois et 19 jours, 172 jours exactement, parce que je comptais les jours évidemment, il m'a dit dans 3 jours, toi, Stéphane Reza, hop, ensemble, dans un avion, et vous partez à Paris. Donc 3 jours, 14 décembre, on est le 30 juin. Quelle est la chose ou les choses que vous avez plus envie de faire une fois libéré? Est-ce que vous allez faire la même chose si vous allez encore partir en mission? Bien sûr. Moi, c'est le métier que j'ai toujours rêvé de faire. Alors, je dis pas que je vais retourner en Afghanistan demain ou après-demain, hein, mais Béatrice, ferme tes oreilles. J'ai envie de faire ce métier plus que jamais. Ouais. Merci. Merci. Ça pas ta chemise. J'aime bien ce qu'il fait. Tu peux me passer mais ton pantalon il est bien raccord. Non, t'es comme t'es nickel. Elles me plaisent beaucoup tes chaussures. Bon. Allez, profite, sois tranquille. À tout à l'heure. Alors. À tout à l'heure, on vous retrouve tout à l'heure. Ciao. À tout à l'heure. Mettez vous ensemble. Patricia, mettez vous ensemble. Thank you.
trop là. Ouais. Je pense que les familles des accompagnateurs, d'après ce que moi j'ai compris, attends, j'étais ailleurs, hein. C'est-à-dire que je n'étais même pas sur un nuage, j'étais un nuage. Et le truc, c'est que tu écoutes, tu parles d'eux parce que tu te dis, attends, il y a les autres aussi malgré tout, et tu te dis, mais il se passe quoi? Et après, à un moment donné, tu es happé et tu n'entends pas, et il nous faut cette garantie-là, parce que tu vois, c'est-à-dire, parce qu'ils peuvent être considérés comme traîtres, et ça, dire, ça on ne les laissera pas tomber. Et alors, et je profite quand même. Il y avait un décompte quotidien. Alors maintenant que vous êtes tous là, là, il y avait un décompte quotidien pour les otages. On a traité de corporatistes. Moi, je ne suis pas dans la presse ni quoi que ce soit. Ce que je trouvais bien, c'est que même si on s'est fait taper dessus parce qu'on disait oui, et les autres otages, on n'en parle pas, il ne faut pas oublier les autres otages. C'est-à-dire, ne les oubliez pas. Ça veut dire, soyez là, tu vois, soyez sur le... Parce qu'il ne faut pas que demain, il n'y ait plus de décompte et qu'on parle plus d'eux et qu'on n'en parle que dans 6 mois. Parce que la détresse, parce que les conditions de détention pour eux, ce ne sont pas les mêmes, c'est très clair. Mais ce que vivent les familles, les amis, ils vivent la même merde que nous, on a vécu pendant un an. Ils sont en plein dedans. Ça veut dire, il ne faut pas les oublier. Ça veut dire, soyez là pour eux. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Ah oui, ils ont entendu les messages de leur famille. Ça compte, évidemment, quand on est privé de liberté. Bon, d'abord, voilà, il y a ce tarmac, ce beau soleil, et tout d'un coup, les voir, c'était un choc, une émotion vraiment très forte, mais surtout de les voir debout. Et Hervé, qui est notre ami, c'est un combattant, et il est sorti, il s'est exprimé avec de l'humour, avec une vision claire, un homme debout. C'est un pur grand reporter, il a couvert des conflits dans le monde entier et on l'a retrouvé vraiment un homme libre et fort, et ça c'est bouleversant. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Essayer de le revoir très prochainement, parce que là on sait qu'il va passer quelques examens et autres. Oui, bien sûr. Voilà, il faut aussi qu'il aille voir sa maman, Janine, hein, qui est restée à Lille. On espère, évidemment, on va se voir, on va fêter sa libération. Je pense qu'on aura aussi l'occasion de partager un bon verre de vin et aussi faire un bon repas, parce que j'ai cru comprendre que ça avait été, de ce côté-là, particulièrement difficile là-bas. Voilà, merci beaucoup. Je vais aussi...
Ouais.